got me feeling no way. Now I'm looking at you and I can feel the heat arise. Trying to fill a hole in my heart just for the night. Don't mistake this feeling for love. We're sad, no, cause I've been hurt and I ain't going back there anymore. Salut tout le monde, aujourd'hui on est dimanche, il est très tôt. C'est pour ça que je parle doucement, c'est pour ça que j'ai ma voix du matin parce que je viens de me lever. Et j'ai constaté ce matin, comme vous avez pu voir, j'avais quelques petits boutons. D'où ils viennent, je ne sais pas. Là, il y a un petit bouton et je me demande pas la palette de chez Action que j'ai acheté parce que je n'ai jamais eu de bouton ici à cet endroit. Donc cette zone-là, c'est où j'applique le blush, donc je me demande si c'est pas ça. Et puis là, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu... ici des boutons, donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pour ça en fait que je me pose en masque. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ces pinceaux là, donc j'ai fait un petit tri. Là c'est les pinceaux que j'utilise assez souvent, ici c'est les pinceaux que j'utilise mais vraiment très rarement, et là c'est tout ce qui est beauty blender, mon petit kabuki qui est là, donc je vais nettoyer tout ça et le reste je le ferai un petit peu plus tard. Je pense que je vais nettoyer mes pinceaux avec ce savon là de chez Palmolive. Voilà, ça y est, tout est nettoyé, nickel. Bon, là on est tous en train de préparer à manger, ma soeur de son côté aussi elle prépare pour ce soir. Donc là ma mère elle a préparé du poulet qu'elle va mettre au four, donc là elle va refaire revenir le poulet avec les oignons. Et moi je vais vous montrer la recette du jour que je vous propose, c'est super simple, j'ai regardé ça tout à l'heure sur YouTube, donc je vais vous la montrer. Aujourd'hui je vais vous faire une recette super simple, c'est des mercouda au thon, parce que ma soeur elle cuisine de son côté, ma mère elle fait son plat et moi j'avais envie de faire ça, voilà, comme ça tout le monde ramène un petit peu de sa graine. On va avoir besoin donc de pommes de terre, du thon, du piment doux, du sel, du poivre, de la coriandre moulue, du cumin, du persil avec de l'ail, du persil, de la chapelure et 2 œufs. Je vais vous poser sur le côté. C'est terminé, donc là après je vais aller les cuire. Ce que j'ai fait, ce que je peux vous conseiller, vu que ça collait un petit peu au niveau de mes mains, j'ai rajouté un petit peu d'huile de tournesol à chaque fois que je faisais les boulettes, donc voilà, on verra si c'est bon, mais bon, on peut pas goûter hein, donc on verra ça tout à l'heure. Non. Ça sent trop bon. T'as mis du miel? Non plus. Il y a une odeur de sucré. Oui, parce que j'ai pas. Parce que l'oignon il est sucré. J'ai pas ajouté de l'eau ni rien. T'as pas ajouté de l'eau? Ah non, pas du tout. J'ai mis beaucoup d'oignon. Moi, pendant ce temps-là, je fais mon jus habituel. Donc là, vous avez des fraises, de la pêche, de la nectarine, de la pomme et de la banane. Je mets des dattes, des fois des figues, du sucre. Un peu de miel et du jus.
Donc voilà, ça fait 3 bouteilles. Donc là, je vais en mettre 2 au frais pour ce soir et une pour le soir. Je la stabilise, parti. 3, 2, 1, go. Regardez, ça ressemble aux croquettes de poisson qu'on achète à Leclerc. D'ailleurs, je vous ai pas montré hier les gâteaux que mon père il a amené du Maroc, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. On va commencer par ce gros sac et après par ce sac aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, donc on va voir ça. Ah, c'est trop bon ça. Shiitakeya. T'as pris combien de kilos là? Là, j'en ai pris 10 kilos. Ah ouais, shiitakeya. Quand même. Là, c'est là, trop c'est bon. Là, c'est zometa. Ouais. Ça, c'est des gâteaux variés. Ouais, il y a plein de trucs. Ceux-là, ils viennent d'Algérie. Hein. Ah ouais? Ceux-là, c'est d'Algérie. D'accord. Ça, c'est les brioches. C'est des petites brioches du Maroc. Trop bien. Avec des gâteaux aussi. La crotte. C'est trop, trop bon ça. Et là, pareil. Et là, c'est des brioches aussi. Ouais. Ça s'appelle karachel. En marocain, on les appelle karachel. Ici, il y a de l'ail. Après, il y a des épices. Il y a ça. Je crois que c'est du paprika ou peut-être du piment doux. Ça, c'est du gingembre. Quoi d'autre? Ça doit être du curry. Là, c'est quoi? Oh, ça sent trop bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du gingembre, là. Quoi d'autre là-dedans? Putain, c'est les vraies épices, hein. Tu sens vraiment la vraie odeur. Ça, c'est du cumin, je crois. Et là, il y a de l'ail. Vous voyez? Voilà, on a été encore gâtés par tout ça. Ma sœur, elle a fait ça, c'est des crêpes maison avec de la viande hachée. Écoutez, il est 23h30, donc je vais terminer ce vlog maintenant. Je vais finir de nettoyer avec ma mère, ma soeur et tout le monde. Donc j'espère que ce vlog il vous a plu. Moi je sais pas si vous voyez, mais là il y a 2 boutons qui sont sortis. Ben, celui-ci c'est celui de ce matin, mais là il y a eu celui-ci. Je sais pas du tout ce qui se passe avec ma peau là. Là il n'y a rien, mais je suis sûre que d'ici demain il y aura quelque chose, mais c'est vraiment super bizarre. Mon père il m'a dit que c'est sûrement dû à l'hydratation, donc ce qui est fortement possible, mais je sais pas. Bref, peut-être subtil ce que je dis, mais je vous le dis, parce que voilà, je le vois donc je vous le dis. Enfin bon, j'espère que ce vlog il vous a plu si c'est le cas. Comme d'habitude, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi vous ce que vous mangez pendant le ramadan, les plats que vous faites, etc. Je veux vraiment savoir parce que bah, ça me donnera peut-être des idées pour les prochains jours. Et voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite, 12 nouveaux vlogs. Ciao!